Spectateurs, vous allez entendre une version latine d'Édipe roi. Afin de vous épargner tout effort d'oreille et de mémoire, et comme l'opéra oratorio ne conserve des scènes qu'un certain aspect monumental, je vous rappellerai au fur et à mesure le drame de Sophocle. Sans le savoir, Édipe est aux prises avec les forces qui nous surveillent de l'autre côté de la mort. Elles lui tendent depuis sa naissance un piège que vous allez voir se fermer là. Voici le drame. Thèbes se démoralise. Après le Sphinx, la peste. Le cœur supplie Édipe de sauver sa ville. Édipe a vaincu le Sphinx. Il promet.
Voici Créon, beau-frère d'Édipe. Il revient de consulter l'oracle. L'oracle exige qu'on punisse le meurtre de Laïus. L'assassin se cache dans Thèbes. Il faut le découvrir coûte que coûte. Édipe se vante de son adresse à deviner les énigmes. Il découvrira et chassera l'assassin. Is fun, they fare, they fare.
Oedipe interroge la fontaine de vérité. Tirésias le devin. Tirésias évite de répondre. Il n'ignore plus qu'Oedipe est joué par les dieux sans cœur. Ce silence irrite Oedipe. Il accuse Créon de vouloir le trône et Tirésias d'être son complice. Révolté par cette attitude injuste, Tirésias se décide. La fontaine parle. Voici l'oracle. L'assassin du roi est un roi. Lorisime, Oedipe.
Oh,
La dispute des princes attire Jocaste. Vous allez l'entendre les calmer, leur faire honte de vociférer dans une ville malade. Elle ne croit pas aux oracles. Elle prouve que les oracles mentent. Par exemple, on avait prédit que Laïus mourrait par un fils d'elle. Or, Laïus a été assassiné par des voleurs au carrefour des trois routes de Doli et de Delphes. Trivium. Carrefour. Retenez bien ce mot, il épouvante Édipe. Il se souvient qu'arrivant de Corinthe, avant sa rencontre avec le Sphinx, il a tué un vieillard au carrefour des trois routes. Si c'est Laïus, que devenir ? Car il ne peut retourner à Corinthe. L'oracle l'ayant menacé de tuer son père et d'épouser sa mère. Il a peur. Oh,
témoin du meurtre sort de l'ombre. Un messager annonce à Édipe la mort de Polybe. Il lui révèle qu'il n'était que son fils adoptif. Jocaste comprend. Elle tente de tirer Édipe en arrière. Elle se sauve. Édipe la croit honteuse d'être une femme de parvenue. Cette Édipe, si fière de deviner tout, il est dans le piège. Il est le seul à ne pas s'en apercevoir. La vérité le frappe sur la tête. Il tombe. Il tombe de haut.
nostrum, prescituri, prescituri, qui sedicus, illo sedicu visciam, sciam. Udet, Iocasta fugit, pudet, pudet, Oedipus exulis, pudet Oedipus generis, sciam, sciam, Oedipus genus, sciam, sciam, Oedipus genus, genus, meum, sciam. Et maintenant, vous allez entendre le monologue illustre « La tête divine de Jocaste est morte ». Monologue où le messager raconte la fin de Jocaste. Il peut à peine ouvrir la bouche. Le cœur emprunte son rôle et l'aide à dire comment la reine s'est pendue et comment Œdipe s'est crevé les yeux avec son agrafe d'or. Ensuite, c'est l'épilogue. Le roi est pris. Il veut se montrer à tous. Montrer la bête immonde, l'inceste, le parricide, le fou. On le chasse. On le chasse avec une extrême douceur. Adieu. Adieu, pauvre Œdipe. Adieu, Œdipe. On t'aimait. Oh!